La spéciale battle. On continue cette spéciale avec des duels de fous furieux entre nos consultants officiels. Troisième duel de cette émission avec Pascal Pi, que je vous demande d'accueillir très très chaleureusement. Alors, on le présente plus, mais on le fait quand même. C'est l'agent magique de Proprio à tout prix. Vous le connaissez, le groupe PNL ? Absolument. Mais toi, je te considérerais plus comme agent PEL. Si tu veux que j'aille bosser au Crédit Lyonnais, ouais. C'est pas mal. Alors, le bien de Pascal, la meilleure affaire de Besançon. 45 secondes pour convaincre le jury. Ici présent, vous êtes prêts, le jury ? On est prêts. Alors, attention, c'est parti. 45 secondes. Alors, moi, je vous ai concocté la meilleure affaire de Besançon. Pourquoi ? Parce que déjà, on est à Besançon, centre-ville. Dans la boucle, à proximité de la citadelle, juste en dessous, d'accord ? On est sur un T4 avec trois chambres, dont une suite parentale. Qu'est-ce qu'une suite parentale ? Une chambre avec une salle d'eau et un WC. On a un garage, chose exceptionnelle au centre-ville, une cave. L'appartement fait 96 m² 50 pour la modique somme de 299 000 euros. Alors, est-ce que tu peux nous donner un mot sur ta ville qui nous donne envie d'aller habiter à Besançon ? Le comté. Eh oui, le comté, on l'aime sans compter. Exactement. Ben on l'applaudit bien fort. Bravo Pascal. Face à Pascal Pi, attention, c'est le tour de Philippe Cretin de Bron. On l'accueille chaleureusement. Alors Philippe, tu nous viens de Bron. Oui, Bron, c'est une commune qui touche le Lyon. En fait, c'est presque un arrondissement. Alors aujourd'hui, face à Pascal, la tâche va être dure. C'est ton premier passage dans l'émission. Non, ça va aller ? Non. Comment as-tu fait ton choix ? J'ai choisi une maison, un produit très rare, en fait. Ah voilà, c'est ça. Attention, 45 secondes pour convaincre notre jury. C'est parti. Alors, c'est une maison donc dans un endroit idéal. C'est un produit très, très rare. Il est dans un secteur dans le centre de Bron avec tous les commerces. Le tramway, qui est à 2 minutes à peu près à pied. Ce qui est intéressant, c'est que c'est fait partie d'une division de propriétés. C'est des maisons de 1900, 1930, avec des très grands terrains à l'origine qui ont été divisés. Du coup, le terrain qui fait 634 m², on est dans un cadre idéal avec des arbres centenaires de partout autour. Et puis, ce calme-là... Il reste 5 secondes pour convaincre notre jury. Bon, alors, donc cette maison-là, donc elle a 3 chambres, séjour, cuisine. Le prix ? 440 000 euros. Bon, là, je crois qu'on a tous les informations nécessaires pour pouvoir faire notre choix. Et on applaudit très fort, Philippe. Alors, le jury, est-ce que vous allez pouvoir vous concerter et nous donner le résultat de cette troisième manche ? Et le jury, n'oubliez pas qu'il y a une maison en carton. Hein. Alors, allons-y, concertez-vous. On est d'accord. On est d'accord. Vous êtes d'accord ? Alors, allons-y. À toi. Moi, je suis fan de l'agent magique. Je vais vers Pascal. Ouais ! Bravo ! Le char de l'ancien, j'adore. Ok. Pascal. Merci. La même chose, Pascal. Ouais ! Bon, alors, je crois que le point vient de manière irrémédiable à Pascal. Attention ! Ouais. 2-1. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite. La spéciale battle.